Chaque jour, 8 500 personnes meurent du sida, 5 par minute, partout dans le monde. Longtemps, j'ai cru que c'était une maladie d'homosexuels, une maladie de gens sales, de marginaux, de miséreux. J'ai cru que ça n'arrivait qu'aux autres. Et puis un jour, j'ai reçu une lettre de l'hôpital. C'était une fille. Des vacances à la mer. On avait laissé la fenêtre ouverte pour laisser entrer la fraîcheur. Elle était belle, elle respirait la vie. On n'avait pas mis de capote. Je sais pas ce qu'elle est devenue. On m'a dit que je guérirais pas, alors j'ai rangé mes affaires, j'ai attendu la mort. Mais apparemment elle voulait pas encore de moi. Pendant des années j'ai refusé de coucher avec des femmes. J'avais peur de les salir, de les souiller. Et puis j'ai rencontré une fille. Je lui ai tout dit. Elle a dû avoir un peu peur, mais c'était trop tard. On était déjà amoureux. Je l'ai dit à mes amis, certains ont disparu de la circulation, ça a fait le tri. On a eu un petit garçon, il n'est pas malade. Je travaille dans une association qui lutte contre les discriminations faites aux séropositifs. Dans beaucoup de pays, les frontières leur sont fermées. Ils sont internés, on les met en prison. Parler du sida suscite toujours la peur. Beaucoup croient encore que la maladie peut se transmettre en partageant un repas, en se touchant, en s'embrassant, en nageant, en se touchant ensemble. Il ne faut pas en vouloir aux gens. La peur est le sentiment le plus difficile à contrôler. Avec l'amour peut-être. Quelle ironie. Souvent je vais dans les écoles et j'explique. Je dis aux jeunes et aux moins jeunes de se protéger. Et quand ils m'écoutent comme si je parlais d'une curiosité qui ne les concerne pas, je leur raconte mon histoire. Faire ça donne un sens à ma vie. J'ai eu beaucoup de chance d'être encore là. Je me suis posé et peut-être que je suis devenu un peu moins con. C'est comme ça.